Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé ce jeudi 4 janvier 2024 au pavillon présidentiel de l'aéroport international du président Modibo Keïta de Bamako, Sénou. Au pavillon présidentiel de l'aéroport international le président Modibo Keïta de Bamako, Sénou. La cérémonie de remise des drones de surveillance et de combat de type TB2 à l'armée de l'air. Cette cérémonie de grande envergure a enregistré la présence du Premier ministre, du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, de l'ambassadeur de Turquie ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires et amis du Mali. Dans son discours inaugural, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdiara, a rappelé la perception des Maliens concernant les récentes opérations reçues des drones dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par les autorités maliennes de la transition. Pour commencer, je citerai trois facteurs qui expliquent la fascination de la population pour cet outil technologique. D'abord, l'attraction qu'exerce les explosions, les effets visuels spectaculaires créent chez nos compatriotes un effet d'immersion, un sentiment de proximité, une impression de participer à l'action. On a l'impression d'y être. Cela a un effet libérateur sur le Malien lambda qui s'est trop longtemps senti impuissant face aux hordes terroristes qui semaient auparavant la désolation sur leur passage. Les images des actions des vecteurs aériens contribuent donc à libérer les Maliens en leur permettant d'être des acteurs et non de simples spectateurs. Ils y voient aussi le symbole de la libération du territoire lorsqu'ils voient fuir les rescapés des frappes, ces terroristes désormais terrorisés à leur tour. Cette attraction est d'autant plus facilitée qu'il y a un effet de dématérialisation de la guerre. Le spectateur se croirait dans un jeu vidéo déconnecté des réalités. Il peut ainsi assister à des scènes de destruction d'une violence extrême, sans être exposé aux chocs physiques et aux horreurs de la guerre. Même les enfants peuvent regarder ces images, puisque ça semble presque inoffensif et même très propre. La précision offerte par ce système permet de rendre soutenable la guerre et les Maliens peuvent voir en direct ce que font leurs soldats. Le troisième facteur est lié à la fierté des Maliens de posséder des systèmes aussi sophistiqués qui leur semblaient totalement inaccessibles il y a encore quelques mois. Apprivoiser ces symboles de la supériorité occidentale qui servaient à certains partenaires pour nous impressionner jusque dans nos états-majors montre que nous sommes également tournés vers la modernité. Les Maliens n'ont plus besoin de regarder CNN puisque l'ORTM leur suffit. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a indiqué que le Mali s'est engagé depuis 3 ans dans un processus de régénération à travers le renforcement des capacités de l'outil de défense. Le ministre de la Défense est également revenu sur le sens de l'opportunité, le sens de l'appropriation nationale des questions d'accord de paix. Avant de clore ses propos, il a adressé ses vifs remerciements à la Fédération de Russie, à la République populaire de Chine ainsi qu'à la République de Turquie pour leur partenariat sincère et fiable avec la République du Mali. À cet effet, les investissements humains et matériels consentis par la nation ont été significatifs et la diversification des partenariats stratégiques a permis sa mise en œuvre dans des délais et des conditions extrêmement favorables. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et des équipements individuels, aux véhicules de combat terrestre, aux radars de surveillance de l'espace aérien,
aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail. Pour une utilisation optimale, vous nous avez donné le plus important, des ressources humaines bien formées et dotées d'un bon moral. Grâce à tout cela, nous avons obtenu et maintenu le meilleur carburant pour une armée, la confiance et le soutien de la nation. Le président de la transition, chef suprême des armées, a ensuite procédé à une visite statique des nouvelles acquisitions.